troisième phase du processus de Nairobi a été suspendue ce jeudi. C'est le mandataire du chef de l'État qui conduit la délégation du gouvernement congolais qui a décidé de ce break. Les raisons vous seront communiquées dans le journal. Et puis à la une également, le pape François sera à Kinshasa le 31 décembre 2023. C'est le nonce apostolique Monseigneur Balestero qui a fait cette annonce. C'était au cours de l'audience lui accordée par le président Félix Tshisekedi ce jeudi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information qui part de cette information en brève. Suspension ce jeudi après-midi des travaux de Nairobi 3 au moment où les pourparlers entrent dans leur phase stratégique. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangu, multiplie la vigilance et cherche de voir clair sur un certain nombre de choses. Premièrement, il a été constaté parmi les participants des personnes sans mandat, qualité et titre ayant obtenu des accréditations. Cet arrêt momentané de travail approuvé par la plénière devrait permettre le nettoyage des listes et la validation des mandats. Deuxièmement, l'équipe présidentielle a aussi été intriguée par une série d'attitudes et faits de la part des équipes techniques préposées à la traduction, prise de son et autres prises de vue. Nous y reviendrons avec des détails dans nos prochaines éditions. C'est confirmé. Après le report de sa visite au mois de juillet 2022, suite à des problèmes de santé, le pape François est annoncé à nouveau pour le 31 janvier 2023 à Kinshasa. C'est le nonce apostolique basé en RDC, Monseigneur Balestero, qui a fait cette annonce en premier au chef de l'État dans une audience lui accordée ce jeudi. Suivez les détails avec Damani Mujinga. Une date est enfin trouvée. Le pape François sera à Kinshasa le 31 janvier 2023 pour une visite en RDC. Le président de la République Félix Tshisekedi est le premier à être informé de cette nouvelle par le nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestero dans une audience lui accordée par le chef de l'État ce jeudi. Un sujet qui a été au centre de leur discussion, qui a connu aussi la participation du Premier ministre Samalou Kondé. Le chef du gouvernement a quant à lui circonscrit le cadre de cette visite. Selon lui, c'est sur invitation du président que le souverain pontife devrait se rendre en RDC en début juillet 2022. Ce voyage a été reporté sine die pour des raisons de santé du pape, a-t-il rappelé. Samalou Kondé a aussi demandé au nom du chef de l'État à toute la population de relancer les préparatifs de cet accueil préparé voici quelques mois, tout en exhortant le peuple congolais à demeurer dans une attitude de prière pour l'accueillir, surtout dans ce moment particulier où la RDC traverse toutes ses situations sécuritaires. Cette visite sera d'un grand réconfort, a conclu le Premier ministre, tout en remerciant le nonce apostolique et la délégation de la CENCO pour cette annonce combien réconfortante. On va changer de chapitre à présent. Mise en œuvre du projet Grand Inga et développement des industries vertes en RDC, le Premier ministre Samalou Kondé a échangé avec une délégation du groupe Fortescue Future Industries sur le lancement imminent des travaux. C'était dans une audience accordée qu'il a accordée aux représentants de cette firme. Les détails dans ce récit. Fortescue Future Industries est le partenaire de la République démocratique du Congo dans le développement du méga projet Grand Inga et des industries vertes, notamment dans la production de l'hydrogène afin de permettre la transition énergétique au pays. Une fois exécuté, ce projet pourra créer des opportunités d'emploi pour la population congolaise et d'autres pays africains. La directrice générale de Fortescue Future Industries a annoncé le démarrage imminent des travaux préparatoires après la signature de l'addendum du contrat qui intervient incessamment, ce qui permettra la création de plusieurs emplois. Nous avons eu une excellente réunion avec Son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous avons partagé autour de ce grand projet du grand Inga et de toutes les industries vertes qui viennent. Il nous a fortement encouragés, d'autant plus que nous commençons les travaux assez rapidement. Nous sommes ici pour signer l'addendum de notre contrat, mais après nous allons commencer les travaux préparatoires qui vont donner énormément d'emplois et énormément d'opportunités. Et à la signature de l'addendum, nous prenons tous les engagements nécessaires pour être en mesure d'engager les travaux. Thank you.
La signature de cet addendum va ouvrir certainement la voie à plusieurs autres projets qui vont être développés à travers les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. On va parler processus électoral dans ce journal. Les ambassadeurs de pays africains accrédités en RDC ont rassuré de leur soutien à ce processus électoral en cours. Les échanges électoraux en cours pour les échéances de 2023, c'était lors d'un entretien qu'ils ont eu avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, le vice-doyen du corps diplomatique basé à Kinshasa. Rachid Agassim, ambassadeur du royaume chérifien, a fait le point de cette audience. Suivez-le dans cet extrait choisi par Voldy Kengi. La première fois qu'il échange avec le groupe des ambassadeurs africains, et il a fait une présentation exhaustive et que j'ai considérée aussi sincère. Il a très bien expliqué tous les contours des préparatifs et dans la perspective des élections. On a bien sûr parlé des défis, des objectifs, et nous sommes conscients que ce n'est pas une entreprise facile. Tenir les élections partout dans le monde demande beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. L'apport des ambassadeurs africains est presque naturel. Nous sommes tous dans ce cher continent et nous sommes tous conscients de ce que prend la tenue d'une élection. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une entreprise facile. Et ici en RDC, on est bien conscients, c'est un pays sous-continent. Il y a beaucoup de difficultés en termes logistiques. Il y a bien évidemment et malheureusement l'aspect de l'insécurité à l'est du pays. Donc nous sommes conscients de tous ces aspects et nous avons manifesté notre soutien au président de la CENI dans ce sens. Quittons les questions électorales pour la santé. Près de 543 000 personnes vivent avec le VIH-SIDA en République démocratique du Congo. C'est la statistique fournie par le Programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA célébrée chaque 1er décembre. Enoch Issei et Beni Fombo. La Journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA, célébrée chaque 1er décembre de l'année, a été commémorée sous les thèmes poussant pour l'égalité au niveau mondial. En République démocratique du Congo, des efforts sont en train d'être fournis pour lutter contre cette maladie d'ici 2030. D'où le thème retenu au niveau national, main dans la main, pour vaincre la stigmatisation et réduire les infections. Pour ce faire, une conférence s'est tenue à Kolwezi depuis le mercredi 30 dernier et prendra fin ce vendredi 2 décembre 2022. Selon le secrétaire exécutif national adjoint du Programme national et multisectoriel de lutte contre le SIDA, PNMLS en sigle, Dr Boussi Kingoy Beli Bernard, interviewé par Géopolis Télévision, fait un état de lieu de l'évolution du VIH-SIDA en République démocratique du Congo. Bon, il faut dire que le combat contre le VIH a commencé depuis 1983. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis ce temps-là. Le grand problème était d'abord d'identifier les personnes qui vivent avec le sida. Maintenant, avec les moyens de dépistage actuels, avec les estimations modélisées des tailles, il nous est possible de pouvoir estimer l'ampleur de l'épidémie dans notre pays. D'où, actuellement, nous estimons à près de 543 000 personnes qui vivent avec les pays. Ça, c'est l'estimation en général. Malgré les efforts fournis pour l'accès aux soins, plusieurs autres grands défis restent à relever. Le premier défi, c'est de pouvoir identifier ces personnes-là, de pouvoir dépister ces personnes-là qui connaissent leur statut sérologique. Et nous avons actuellement près de 459 000 personnes qui connaissent leur statut sérologique. Ils sont personnes vivant avec le VIH. Le deuxième défi était de mettre ces personnes-là sous antirétroviral. Là, nous avons un grand défi, c'est l'accès au laboratoire pour faire cet examen-là. Ces laboratoires-là coûtent cher. Pour ce qui est de la riposte, Dr Boussi Kingoy Beli Bernard s'explique en ces termes.
Pour ce qui concerne la riposte au VIH, le pays est, bien sûr, le pays met des moyens, mais nous sommes surtout soutenus par les instances internationales. Face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, occasionnant ainsi des déplacements massifs de la population, le docteur parle de l'une des grandes difficultés qui rencontre le PNMLS, car certains d'entre elles ont stoppé avec leur traitement et n'ont plus l'accès à des soins adéquats. Pour rappel, le VIH-Sida s'est transmis par des rapports sexuels non protégés, par le nombre de partenaires élevés, par des produits sanguins, notamment lors de la transfusion sanguine, des échanges de seringues avec l'utilisation des drogues injectables, ainsi que les objets tranchants. On va parler aussi des préparatifs des Jeux de la Francophonie. La République démocratique du Congo tient à organiser cet événement à Kinshasa. Sur terrain, les travaux avancent. Mais un hic est à signaler, c'est que le volet infrastructure souffre actuellement du financement, ce qui ne laisse pas planer des doutes, mais inquiète quand même le comité d'organisation, suivi son directeur Isidore Nguandja, après une descente sur terrain. La République démocratique du Congo va réellement organiser ces Jeux. Maintenant, ce que nous devons faire, surtout au niveau du gouvernement, c'est de disponibiliser les moyens, de donner aux entrepreneurs les moyens nécessaires pour qu'ils puissent commander tous les matériels, qu'ils aient tous les matériels, parce que nous entamons le mois de décembre, c'est le mois de fête. Nous entrons au mois de janvier, déjà on commence à compter les jours. Donc il est vraiment important, je suis venu ici, j'ai écouté tous les entrepreneurs, ils n'ont pas eu la langue de bois, ils ont exprimé beaucoup d'inquiétudes en disant s'ils ne sont pas payés, ils risquent de ne pas fournir les infrastructures dans les délais. C'est pour ça que je demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que les moyens soient mis à disposition des entrepreneurs pour qu'ils puissent finaliser les travaux. C'est vraiment important. Nous sommes allés à Djerba, nous avons rassuré les partenaires que nous allons organiser cet événement. Mais pour que nous puissions organiser cet événement, nous avons besoin des infrastructures. Et les infrastructures, nous avons trouvé, j'ai trouvé les ouvriers en train de travailler, mais tous me disent la même chose, ils ne sont pas payés. Cela risque d'avoir des conséquences pour les chronogrammes qu'ils nous ont transmis en disant que si nous avons tous les moyens nécessaires, nous allons fournir les infrastructures fin mars. Mais aujourd'hui, s'ils ne sont pas payés, ils vont ralentir les travaux. Ça va avoir des conséquences dans les délais. Il faut dire que les Jeux de la Francophonie organisent les compétitions culturelles et sportives. En sport, bien évidemment, le secteur national, le sélectionneur national des Léopards U20, Michel Dinzey, a rendu publique la liste de 27 joueurs sélectionnés pour le tournoi zonal de l'UNIFAC, comptant pour les éliminatoires de la CAN U20 prévues en Égypte en 2023. Les Léopards logés dans le groupe A en compagnie de la République du Congo, la République centrafricaine et le Sao Tome et Principe. Blessed Kuzula pour les détails. Le 30 novembre 2022, Michel Dinzey, sélectionneur principal des Léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo, a rendu publique sa liste de 27 joueurs convoqués pour prendre part au tournoi zonal des éliminatoires de la CAN U20 Égypte 2023. La RDC, placée dans le groupe A, se mesurera avec les équipes juniors du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et des Sao Tome et Principe. La compétition est prévue du 7 au 17 décembre 2022 à Brazzaville, en République du Congo. Au poste de gardien de but, on retrouve Moutima Bayoka Jonathan de l'IS Unkunku, Omekoy Omba Ernest de l'AC Oudjana et Cholola Yoshua de Kortrijk en Belgique. Au poste de défenseur, il y aura Mukendi Mukendi de JSK, Massiri Luando Claude de Sangabalende, Kimpembe Kusumina Nehemi de Lubumbashi Sport, Inaka Arthur d'Eintracht Francfort en Allemagne, Kiambu Jonathan de Doudelange à Luxembourg et Mubiala Mpempe Justice de l'AC Lega. Au milieu de terrain, on retrouve Mbungu Olongo Banks du CS Don Bosco, Balangai Chimanga Stéphane de Céleste Football Club, Kombe Omanje Eli de Oudjana, Kambala Mathieu de TSG Offenheim, Muchacha Jonathan de l'Union Saint-Gilloise, Toubomba Kanda Galiel de Lega, Lotambinje Laberni de Dynamique. Au poste d'attaquant, on retrouve Chimanga Masengo Meshak du Tout-Puissant Mazembe, Orso Miyaku Malanga de l'US Chunkuku, Ouseni Kiza de l'Étoile du Kivu, Mwamba Mwilambwe Marx du Lubumbashi Sport, Iboaïse Christian de la Sekouya, Kabout Chikom du CS Don Bosco, Katembo Watiren Moïse de l'US Chunkuku, Mateta Aristide du Stade Lavalois, Makonko Mongila Christophe de Lega, Lianza Kilongozi Alain du KFA, et Bradley Chitea.
Le sélectionneur Dinzey est attendu dans la nuit du jeudi à vendredi à Kinshasa. Les joueurs convoqués sont attendus à partir de ce jeudi dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Géopolis Télévision. C'est l'heure de vous informer avec l'actualité internationale. Au Tchad, à la sortie ouest de la capitale N'Djamena, un jeune entrepreneur passionné de l'agriculture a créé une ferme agro-pastorale pour répondre aux besoins en légumes dans la capitale N'Djamena, un investissement qui réussit plutôt bien car la ferme devient une exploitation qui contribue à la sécurité alimentaire et qui crée des emplois aux jeunes. Edouard Funda pour le détail. À Guité, une localité située à une dizaine de kilomètres de la capitale, la ferme agro-pastorale Sidimi produit des légumes et des fruits pour ravitailler les marchés à N'Djamena en produits frais. Créée par Abdallah Dakar, un jeune passionné de l'agriculture et de l'environnement, la ferme s'active dans la production maraîchère et contribue à baisser les prix des légumes sur les marchés en cette période d'urgence alimentaire. Une centaine de kilogrammes de légumes essentiels pour la cuisine, comme du poivron, de la tomate, de l'oignon, des melons, des pastèques, sont récoltés chaque jour. Pour les promoteurs de la ferme Sidimi, l'objectif est de répondre aux besoins alimentaires de la population, mais aussi de créer des opportunités d'investissement et d'emploi en milieu rural. La ferme emploie une trentaine de personnes à temps plein et des centaines d'autres paysans profitent de la commercialisation des produits maraîchers. Plusieurs produits sont en cours de réalisation dans la ferme pour diversifier le rendement, notamment l'élevage, le volaille et l'apiculture. En dépit des difficultés logistiques dues à la dégradation avancée des routes qui ne facilitent pas le transport des produits, la ferme agro-pastorale Sidimi est devenue l'une des exploitations agricoles majeures pour le ravitaillement des marchés des légumes dans la capitale et ses environs. Une initiative entrepreneuriale saluée par les autorités de transition. Face au dérèglement climatique, la Banque africaine d'import-export, engagée dans le développement de l'Afrique, plaide pour des actions justes envers le continent qui fait face à des besoins importants en matière d'accès à l'énergie. La finance climatique doit aussi se concentrer sur l'apport de financement face aux dommages engendrés par le dérèglement climatique qui affecte plus de 600 millions d'Africains. Toujours Edouard Funda. Plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas officiellement accès à l'énergie, ce qui génère un impact négatif sur les perspectives d'industrialisation. Sur ces chiffres, 85 millions de Nigériens, ce qui en fait le pays avec le plus grand déficit d'accès à l'énergie en Afrique. Soucieux du fait que l'Afrique émette seulement 3,8% de gaz à effet de serre, mais est soumis à plus de chocs, Afreximbank compte multiplier les actions en faveur du financement lié à l'accès à l'énergie. Dans un contexte où le discours climatique international recommande de ne plus financer le projet lié aux hydrocarbures. Reconnaissant des responsabilités communes, mais différenciées, le pays africain s'arrime toutefois à l'utilisation des énergies renouvelables telles que l'éolienne, le solaire, la biomasse, sans délaisser totalement les ressources fossiles telles que le pétrole et le gaz. Pour contribuer à une transition juste pour le continent, Afreximbank et l'Organisation des producteurs de pétrole africains s'accordent pour la création d'une banque africaine pour une transition énergétique juste et spécifique qui réponde aux besoins du continent. La position commune africaine sur l'accès à l'énergie stipule que l'Afrique continuera à déployer toutes ses formes de ressources énergétiques pour répondre à la demande croissante. Pour les Africains, la finance climatique doit aussi se concentrer sur l'apport de financement face aux dommages engendrés par le dérèglement climatique. Mesdames et messieurs, ce journal arrive presque à sa fin. Je vous rappelle les titres. La troisième phase du processus de Nairobi a été suspendue ce jeudi. C'est le mandataire du chef de l'État qui conduit la délégation du gouvernement congolais qui a décidé de ce break. Les raisons vous avaient été communiquées au cours de ce journal. À la une également de ce journal, le pape François sera à Kinshasa le 31 janvier de 2023. C'est le nonce apostolique Monseigneur Balestero qui a fait cette annonce. C'était au cours d'une audience lui accordée par le président Félix Tshisekedi ce jeudi.
Voilà, ce journal finit complètement. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Nous n'avons qu'un seul Congo, aimons-le.